Música C'est solidaire d'abord. Et aujourd'hui, on va avoir plein de sujets, évidemment, dans l'actualité, comme d'habitude, dans cette émission que l'on fait grâce à Fréquence 7, pas pareille et différente. Mais on a un, un invité spécial. Aujourd'hui, on a un expert. Hein, C'est un petit peu ça, Alain, Alain Vol. Tu es expert. Alors, tu viens au nom de la Cligette et de Greenpeace aujourd'hui, hein? Non, euh, pas tout à fait. Ah, je viens. <laughs> expert, dis expert, disons que je m'intéresse euh, au nucléaire et à Tricastin depuis 15 ans. Donc, effectivement, ouais. j'ai pas mal bossé les dossiers parce que, en effet, je représente Greenpeace à la Cligette. La Cligette, c'est la commission locale d'information des grands équipements énergétiques de Tricastin. Donc, en fait, c'est une commission locale d'information que le gouvernement a décidé d'installer dès qu'il y a une centrale nucléaire dans un département. Et c'est un lieu où on a en face de nous les exploitants, c'est-à-dire EDF Orano d'un côté, avec les représentants de l'autorité de sauté nucléaire et en face il y a quelques élus qui sont dans le PPI, les 20 km autour de la centrale. Il y a quelques représentants de syndicats et quelques représentants d'associations environnementales. Et moi je représente Greenpeace, hein, cette pigette aux côtés de Roland Desbordes euh, de l'ACRIRAD, dont je suis le suppléant au bureau. La, la première question qui me vient, vu ce que tu viens de dire, c'est donc c'est très très démocratique. Alors euh, non, c'est malheureusement pas très démocratique parce qu'en fait, les réunions durent à peu près deux à 3 heures. Ce qui se passe, c'est que euh, EDF vient avec un PowerPoint d'environ de, 20 minutes, Orano vient avec un PowerPoint d'environ 20 minutes, euh, l'ASN peut avoir aussi des documents qui peuvent durer une dizaine de minutes, et nous, en revanche, les, les membres d'associations environnementales et syndicats, nous avons droit à une question. Rarement deux, et Madame la Présidente, Madame Mouton, nous donne rarement deux fois la parole. Donc, on n'a pas vraiment toujours l'occasion d'interpeller profondément, correctement euh, les, 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 les exploitants et la SN, mais quand même, être au contact de ces gens-là est très intéressant. Y a, parce qu'on peut quand même poser des questions. Ils nous fournissent certaines réponses et des fois, on peut leur, euh, leur rentrer dedans quand c'est nécessaire. D'accord. Alors, tu as parlé de PPI. Alors, bon, forcément, qu'est-ce que c'est le PPI alors le PPI, c'est le plan particulier d'intervention, c'est un, c'est une zone de 20 km autour de la centrale de Tricastin, c'est valable pour toutes les centrales de France d'ailleurs et en fait dans cette zone de, de 20 km, euh, on considère que c'est les gens qui seront évacués en priorité en cas d'incident ou d'accident. D'accord. Voilà, ça représente combien de personnes Alors euh, de, de, le PPI euh, le PPI aujourd'hui représente je ne peux pas vous le donner exactement, je dirais plusieurs centaines de milliers de personnes, mais je pas le chiffre en tête. C'est autour des centrales, donc, C'est dans km. un rayon de 20 km autour de la centrale Mais est-ce que c'est sérieux parce que 20 km, s'il euh, y avait un accident... Euh, ça ben serait... Non, euh, on, ben alors c'est ça le souci, c'est qu'en fait, euh, euh, on, ces gens sont destinés à être évacués en priorité à la demande du préfet en cas d'incident grave ou d'accident. Mmh. Sauf qu'on sait qu'un nuage radioactif aujourd'hui voyage à des centaines de kilomètres, on l'a vu à Fukushima, on l'a vu à Tchernobyl. Donc euh, c'est assez dérisoire. Et de toute façon, euh, il faut bien savoir qu'en cas d'évacuation euh, massive, ça sera un carnage, parce qu'absolument mmh. rien n'est prévu. Oui, d'accord. Et, et, et alors, enfin, je sais pas, moi, euh, par exemple, nous, on n'est pas à 20 km, on est à plus que ça, mais euh, on est complètement directement concerné. Vous êtes concernés, et j'espère que vous avez chez vous des, des boîtes de pastilles d'iode qui sont destinées à protéger votre thyroïde si un jour vous avez un nuage radioactif au-dessus de vous. Ça permet de saturer la thyroïde et d'éviter que l'iode radioactif vous bousille votre thyroïde. D'accord. Vous en avez <laughs> Bon, bah écoutez, <laughs> à l'occasion. Euh... Donc, pour nos auditeurs, est-ce que ça se trouve facilement, ça ou... Non, alors, euh, ça ne se trouve pas facilement parce que c'est délivré normalement. Euh... Alors, les gens du PPI ont droit chacun à leur boîte. Et c'est pour ça qu'ils sont dans ce PPI ils ont, eux ont droit à leur boîte. Par contre, dès que vous êtes en dehors du PPI, ou si vous êtes un touriste qui venait dans le PPI, vous n'avez pas droit à votre boîte. Et donc, ça pose. Euh... Alors, il y a des boîtes qui sont disposées dans les lieux publics. Les théâtres, les salles de concert, les cinémas ont, ont, ont chacune des, des boîtes de pastilles idiotes, mais ça, se ne, ça ne se délivre que sur euh, autorisation de la préfecture. Ah d'accord. Mm -hmm. Le et médecin ne peut pas nous... non non. Il n'y a pas de prescription. D'accord. Bon. D'accord. Donc, donc ah. euh, et, 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 un petit détail, c'est juste, c'est des comprimés dosés à 65 mg. un comprimé suffit, c'est pas la peine de prendre la boîte. Hein. — Ah oui, d'accord. Alors euh, oui, euh, là, tu es venu parce qu'entre autres, Autricastin, euh, qui a été construit en 1980... Hein — Oui, c'est ça. Euh, L'année 80. Euh, — Voilà. En, en fait, ils sont en train de prolonger, 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 non Parce que c'était construit pour combien d'années Pour 30 ans, au départ alors, effectivement, le <laughs> Tricastin, <coughs> les quatre réacteurs de Tricastin ont dépassé les 40 ans de vie, puisque euh, le quatrième, euh, la visite décennale a eu lieu l'année dernière. Donc, euh, on est, euh, non, pardon, la, la visite décennale est en train d'être faite en ce moment, mais il a eu 40 ans l'année dernière. Donc, euh, ces, ces réacteurs ont dépassé largement leur date de péremption. Hein, ils étaient bâtis pour 30 ans. On les a prolongés jusqu'à 40. Et ils devaient normalement s'arrêter et le relais devait être pris par les nouveaux réacteurs, les fameux EPR. Et malheureusement, EPR, les EPR ne fonctionnent pas, puisque les quelques EPR qui existent aujourd'hui dans le monde, ils sont moins d'une demi-douzaine, il n'y en a aucun qui fonctionne correctement. Donc les EPR ne fonctionnant pas, le gouvernement a été obligé d'envisager de prolonger les vieilles casseroles. Et c'est ce qui se passe à Tricastin, qui est une des plus vieilles centrales de France. Avec Fessenheim et Buget, il y avait trois centrales très vieilles. Ils ont fermé Fessenheim. Buget ne va pas bien et Tricastin ne va pas bien non plus. Donc cette prolongation des quatre réacteurs de Tricastin est très inquiétante et je, je pense qu'effectivement nous vivons dans une zone, vous vivez et nous vivons dans une zone un peu à risque. Oui, parce que tu expliquais que déjà le, la cuve du premier réacteur, hein, c'est ça, pose un gros gros problème. Alors, euh, Stop Tricastin, effectivement, depuis que nous sommes créés en 2018, on a beaucoup beaucoup insisté sur les problèmes liés à la cuve du réacteur 1 de Tricastin, parce qu'en fait, euh, le réacteur 1 de Tricastin, c'est le premier réacteur d'une série de 32 réacteur de 900 MW qui a passé la visite décennale des, des 40 ans. Donc en fait, c'était une espèce de tête de pont. Et nous, connaissons le, en, en, en ayant les informations à la cligette et en discutant avec des experts comme Roland Desbordes de la Crirade ou Bernard Laponche de Global Chance, on savait que ce réacteur était très abîmé. Et effectivement, euh, ce réacteur, il a un problème euh, majeur, c'est que sa cuve est fissurée. Il y a une vingtaine de fissures dans l'acier de la cuve qui est censé contenir la réaction, euh, la réaction nucléaire. Et le problème, c'est que ces fissures, elles existent depuis le début. À chaque visite décennale qui a lieu tous les dix ans, euh, la cuve est inspectée. Et quand on demande à EDF comment évoluent ces fissures sous l'effet de la radioactivité, parce qu'on sait que la radioactivité peut entraîner des, des modifications du métal, ils nous disent, euh, on l'a contrôlé, tout va bien. Mais en réalité, ce qu'on a appris, c'est que les outils dont ils disposaient pour apprécier la profondeur de la fi des fissures euh, ne fonctionnaient pas, il y avait trop de chaleur et donc euh, les, les, les images n'étaient pas bonnes. Donc aujourd'hui, on a une cuve fissurée avec 20 fissures dont on ne connaît pas l'état vraiment. Et l'ASN a donné son autorisation pour qu'elle soit prolongée jusqu'à 50 ou 60 ans. Gros, ce qui ce est très nous, inquiétant. Ce que tu nous expliques, c'est que tout va bien. Ils ont, ils ont été capables de reprendre les, les photos des fissures. Quoi. Alors là, ils ont, ils ont une nouvelle machine. Qui permettrait éventuellement d'explorer, mais, mais de toute façon, il ne donne pas les résultats. C'est ah oui. top secret. C'est un gros problème, le manque de transparence des DDF. Alors, ce réacteur 1, donc, il a une cuve fissurée, euh, et en plus, il y a de nombreux incidents. Euh, Greenpeace a demandé à Bernard Laponge de faire une étude sur les incidents de la centrale de Tricastin entre 2010 et 2020, à la veille de la visite décennale des, oui. des 40 ans du réacteur 1. Eh bien, il apparaît qu'en 10 ans, sur la base d'informations communiquées par EDF à l'autorité de sûreté nucléaire, puisque EDF est obligé, chaque fois qu'il y a un incident, même mineur, de donner l'info à la SN qui contrôle. Eh bien, sur la base de ces informations de la SN, Bernard Laponche a noté 147 incidents se sont déroulés sur les quatre réacteurs de Tricastin. Et celui qui a eu le plus d'incidents, c'est le réacteur 1 avec 43 à lui tout seul. Alors 147 sur 10 ans, c'est ça Oui, 147 donc, donc sur un 10 par ans. par mois. À peu Ou près. Pas ben tout à euh... fait, mais enfin, ben si, même plus qu'un par mois, euh, tu vois, 12 mois, euh, 10 ans, 120, 120 mois, oui, ah. euh, <laughs> mais c'est une moyenne, ah. mais en tout cas, il y a des incidents, il euh, y a des incidents euh, réguliers, il y a cette cuve qui est fissurée, or la, la vie d'un réacteur est liée à la vie de la cuve, puisqu'on ne peut pas la remplacer. On peut remplacer beaucoup de choses dans un réacteur nucléaire, tout sauf la cuve et l'enceinte, donc euh, ça c'est vraiment très inquiétant. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'au moment où où ce, ce vieux réacteur devrait être très surveillé, très contrôlé. Les gens qui s'occupent justement de, de, de la sûreté nucléaire, les sous-traitants, nous disent qu'aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens de faire de bons contrôles parce que tout va trop vite. Il y a tellement de chantiers en cours avec ce grand carénage et, et, et d'autres travaux qu'ils n'ont pas le temps. Donc ils sont, ils sont complètement stressés, ils ne font pas les travaux euh, euh, correctement. Et en plus, la sous-traitance, il y a quatre niveaux de sous-traitance. C'est-à-dire qu'EDF sous-traite un, un sous-traitant, qui sous-traite un deuxième, un troisième, un quatrième. Et on a, nous racontait Gilles Reynaud. Ce qui n'était pas du tout le plan de départ. C'est-à-dire qu'au départ, c'était des gens d'EDF qui, oui, euh, oui. qui faisaient la maintenance. Or, maintenant, la maintenance est faite par ces sous-traitants oui. extérieurs. Oui, parce qu'au début, pose un vrai problème, au, au, ça au début EDF était un service public un oui. service des gens. Mmh. C'est devenu une multinationale de l'énergie et donc il ne, il ne gère que des coûts. Et il n'y a, a, a que le moins dix ans qui compte. Et, euh, et, et un copain, Gilles Reynaud, de ma zone contrôlée, euh, nous disait qu'effectivement, en bas de, euh, de chez les troisième ou quatrième sous-traitants, on a des fois des travailleurs détachés qui ne savent même pas lire les notices. Donc, wow. c'est ça qui est inquiétant. On a de, un vieux matériel qui a bout de souffle et qui est prolongé. Alors que la sûreté n'est ouais. pas n'est pas parce que en gros okay. la formation, la formation euh, des, des gens qui sont là euh, en train de faire la maintenance c'est euh, un truc du genre une semaine de formation alors que autrefois quand c'était à l'intérieur de EDF c'était des gens qui avaient une formation de six mois non euh, non euh, c'est pas, pas c'est pas, oh, bon, pas une semaine c'est une semaine mais c'est mais mais c'est trois semaines alors que chez EDF c'est trois à six mois oui c'est vrai et ce qui est ah. Et ça, effectivement, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Il y a un niveau de compétence. Et puis, surtout, il y a aussi le départ à la retraite des anciens. Et il n'y a pas le transfert de connaissances et de compétences. Et demain, quand il faudra démanteler les réacteurs, ils seront très mal partis. Parce qu'effectivement, ils auront perdu la, la Démont, connaissance de... Ils les réacteurs, mais ce n'est pas du tout dans la vue de... Euh, du ben, pour nous, c'est l'avenir de Tricastin. <laughs> Éventuellement, c'est l'avenir de Tricastin. Donc, on, 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 souhaiterait, on souhaiterait que ces réacteurs soient progressivement arrêtés. On ne dit pas de fermer la centrale demain. Ouais. Ce qu'on voudrait, c'est fermer le réacteur 1 tout de suite, parce que lui, il est vraiment très délabré. Et puis progressivement, fermer le 2, puis le 3 et le 4. Et effectivement commencer à entreprendre le démantèlement de, de la centrale. Parce qu'il faudra des gens pour s'occuper de tout ça. Il faudra des, comp des compétences. Et ces compétences, heureusement qu'on les a encore. Quand tu dis que tu es très inquiet avec tout ce que tu viens de nous décrire, concrètement pour les populations qui sont autour, ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il y a un incident grave à Tricastin ou un accident... On aura un nuage radioactif au-dessus de nous et nous serons tous évacués. C'est-à-dire qu'on perd tout. On perd nos maisons, on perd nos commerces. Évacués euh, sans, sans, sans espoir évacué, de retour. Sans, sans retour à la normale. Le retour à la normale n'existe pas. On l'a vu à Fukushima, on l'a vu à Tchernobyl. S'il y a un accident, on est tous évacués en catastrophe et il n'y aura pas de retour à la normale. On ne reviendra jamais. La vallée du Rhône sera coupée. L'axe Paris-Lyon-Marseille sera coupé et ce sera donc une catastrophe nucléaire. Un accident nucléaire de, de, de grande ampleur a été évalué par l'IRSN il y a quelques années et c'est de l'ordre de 450 milliards d'euros c'est colossal mmh. et, et EDF EDF n'est pas assuré pour ça bon je, je veux pas assez trop oui. long, et, mais et, et pour les petites euh, les petits incidents tu as tu as tu as évoqué des petits incidents réguliers etc qu'est-ce qu que qu'est-ce que ça peut avoir comme euh, impact et sur ben les le, gens ce qui se passe c'est qu'une centrale nucléaire c'est pas une fabrique de nougat donc à partir du moment où on a un incident euh, à quel moment l'incident devient accident, euh, c'est toute la question, et c'est ce que disent les gens qui s'occupent de la sûreté aujourd'hui. Euh, malheureusement, de temps en temps, ils n'ont pas tous les, n'ont pas tous les moyens pour faire le travail correctement. Donc, ça peut déraper, ça peut déraper à n'importe quand, ça peut déraper à n'importe quel moment. Et je vais juste vous donner un, un, un détail qui est un, qui est important. Euh, on s'imagine, on s'imagine que. L'autorité de santé nucléaire, qu'on appelle aussi le gendarme du nucléaire, contrôle attentivement tout ce qui se passe dans la centrale. Et c'est vrai que l'autorité de santé nucléaire fait des contrôles réguliers, EDF doit répondre à tous les incidents, sauf que EDF, des fois, est tellement, euh, est tellement pris dans son, dans son besoin de fournir du courant qu'ils arrivent à, à cacher à l'autorité de santé nucléaire des informations essentielles. Et je vais prendre un exemple. En 2018, il y a eu une inondation sur le réacteur 3 de Tricastin. Une nuit, euh, dans le bâtiment à côté du réacteur, il y a eu une fuite d'eau. en rince-œil, je crois, a, a, été, a été resté ouvert. L'eau a circulé dans les étages, a, a est passée par une zone nucléaire et est arrivée en bas. Il y avait 10 cm d'eau en bas, dans le dans, au rez-de-chaussée. C'était la nuit. Les gens, de, les gens de garde ont vu, ont vu ça. Et ils ont essayé d'avertir la sûreté, la sécurité, qui leur a dit écoutez, il ouais, n'y a personne. Et le matériel, chef, pour, pour décontaminer. Bah écoutez, prenez des seaux, des éponges, mais on n'a pas ça. Ils sont allés chercher chez un prestataire extérieur des seaux, des éponges et des raclettes pour enlever l'eau, sans savoir si elle était radioactive. Donc, ça a été un truc de dingue. Mediapart a fait un très bel article à l'époque. Et puis, euh, s'est passé un peu sous les radars. À la cligette suivante, avec Roland Desbordes, on a demandé à EDF, au, au président, enfin au directeur, « Monsieur, euh, monsieur Osségui, euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Oui, on a eu un petit problème de fuite sur un joint, mais tout est réglé, vous savez. Euh... » Il nous a menti. Il nous a menti ce jour-là. Il a menti à tous les jours de la cligette. Sauf que, quelques mois plus tard... Le, 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 le responsable du, 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 de la sécurité cette nuit-là qui s'appelle Hugo euh, a porté plainte contre EDF en disant: Moi ce soir là j'étais de permanence. j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai voulu quand l'ASN est venue après faire un contrôle expliquer la situation. on m'a interdit de dialoguer avec l'ASN donc, il a été empêché de donner l'information à la SN de ce qui s'était réellement passé. Et ça, c'est très grave. Ils en sont là aujourd'hui. Et ouais. c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir confiance à EDF. Pour abonder sur ce que tu disais, il y a quand même un ingénieur d'EDF qui dénonce la non-information. C'est de... ça. C'est Hugo. Ah, c'est ça, c'est Hugo. Il, a, il, a, il fait un procès à EDF. Pour mise en danger de la vie d'autrui et le procès aura lieu à Marseille dans les mois qui viennent. Alors il nous reste plus que trois minutes ah. en gros et il <laughs> y avait une question aussi sur la SN et IRSN, mais peut-être tu as d'autres priorités. Oui, moi ce que je voulais vous dire aussi c'est que à Tricastin non seulement on a le problème des réacteurs vieillissants qui qui sont prolongés dans de mauvaises conditions, mais aussi euh, il y a des élus dans la région qui voudraient absolument qu'on implante des EPR2 et les EPR2 déjà. Il ne fonctionne pas. Il faut savoir que les EPR, ça marche mal dans le monde parce que c'est trop puissant, mais je ne rentre pas dans les détails. Sauf que implanter des nouveaux réacteurs dans une zone sismique active et inondable, c'est complètement délirant. Et, pour, et alors, Tout le monde sait que Tricastin est une zone euh, sismique. Euh, en, en, depuis des années, depuis des années, l'autorité de santé nucléaire, après Fukushima, avait demandé à EDF de réparer la digue du canal qui amène l'eau pour refroidir les réacteurs, la digue du canal de Donzère-Mondragon, parce qu'en amont de la centrale, quand ils ont construit les réacteurs, le, 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 le canal avait été construit bien avant ils ont démoli 400 mètres de la digue faire passer les tuyaux pour apporter l'eau au réacteur ils ont reconstruit mais cette, ces 400 mètres sont donc fra, ont été fragilisés et la SN avait dit à, à EDF il faut réparer cette, ces 400 mètres pendant des années EDF a fait la sourde oreille en 2017 euh, l'autorité de du a débarqué à la cligette en exigeant au, de, de, au du directeur de fermer les quatre réacteurs pour réparer la digue oh, sachant que EDF perd 1 million d'euros de chiffre d'affaires par jour. Fermer les 4 réacteurs pendant 3 mois, c'est un, une perte considérable. Donc, la SN a débarqué, ils ont fermé les réacteurs, ils ont réparé la digue. En 2019, heureusement qu'ils l'ont fait, on a eu de la chance, parce qu'en 2019, on a eu un tremblement de terre qui a secoué la région. Si la SN n'avait pas exigé de réparer la digue, est-ce qu'aujourd'hui on serait là à discuter Peut-être pas. Parce qu'en en fait, le canal de Donzian Mondragon euh, euh, a une digue en terre. Cette digue en terre, donc, elle est, elle est fragile. Le niveau de l'eau dans le haut du, du canal est à 6 mètres au-dessus de la base des réacteurs. Donc, si ces 400 mètres de digue cèdent sous l'effet d'un séisme, ces 2000 mètres cubes d'eau seconde qui déboulent sur les quatre réacteurs, ces pertes du refroidissement, c'est la fonte des cœurs et c'est Fukushima. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit de, des d'Ecolo puisque même M. Pierre-Franck Chevet, l'ancien président de la SN, avait avoué dans un entretien à un journaliste s'appelle Thierry Gadot en 2018, qu'effectivement, on lui avait posé la question, est-ce qu'un Fukushima en France est possible Il avait dit, ben écoutez, à Tricastin, en cas de séisme fort, si la digue s'écroule, effectivement, on pourrait se retrouver en situation de Fukushima. Donc, aujourd'hui, on, euh, on a une digue qui, est, qui a été réparée, qui est fragilisé, qui a été secoué par un, par un tremblement de terre. On ne sait pas très bien dans quel état elle est, puisque les études qu'a entre, qu qu entrepris l'IRSN et le CNRS ne seront, vala, ne seront définitives qu'en 2026. Donc on ne sait pas dans quel état elle a digue. On ne sait pas s'il faudra pas réévaluer le risque sismique. Et on voudrait nous implanter des EPR, ce qui est complètement dingue. Et d'ailleurs, si c'est budget qui a été choisi... Euh, et Patrick Astin, c'est parce que le risque sismique, justement, connu n'a pas, éva... pas été correctement évalué. Alors, on plaint nos copains de budget, on est solidaires avec eux, et on va d'ailleurs les manifester bientôt avec eux à Lyon, mais euh, peut-être que demain ou après-demain, euh, les élus locaux vont revouloir des EPR de Patrick Castin et là-dessus, il faut se battre fort, fort, fort. C'est absolument impensable. impensable. Alors bon, actualité oblige, on va aussi faire un petit point sur l'actualité. Euh, ben, entre autres, les fournisseurs d'électricité euh, euh, en sont quand même à 37 milliards de surprofit hein, quand même. Hein, C'est une, une bonne transition euh, avec euh, avec le budget de Monsieur Bruno Le Maire, qui lui passe avec des 49,3 et qui nous dit mais euh, circuler, il y a rien à voir. tout le monde, Personne n'a rien dit qu'ils n'étaient qu pas contre. Il passe avec des 49.3, il explique que c'est démocratique. Oui, oui, mais ça, là, on commence à avoir l'habitude, malheureusement. Ouais. Hein. Et hum. tout ça avec, évidemment, quand même, une aide aux entreprises de 200 milliards, avec euh, une déniche fiscale à 100 milliards, avec une évasion fiscale à 150 milliards. Mais on va, on va, on va prendre les sous chez les chômeurs, parce que, quand même, il hein, faut prendre là où il y en a. C'est ça. Hein oui, mais pardon, euh, tout le monde sait que M. Macron, c'est Robin des Bois à l'envers, il prend aux pauvres pour donner aux riches. Voilà. Ouais. Donc voilà, il, il, il veut. Et puis, euh, il, y avait quel, il y avait Manon Aubry qui venait expliquer son programme euh, par, par rapport aux européennes, là. Et le, il y avait un intervieweur qui posait la question Mais alors, comment on fait hein, Si on ne prend pas les sous aux chômeurs, comment on fait Alors, bah, elle dit bah voilà, il y, y a quand même plein, plein de sous à prendre, les 200 milliards. Hein, oui, non, mais comment on fait Comment on fait, hein comment on fait et, et donc, elle ré répète une, une autre fois, elle réexplique, et le mec continue Et alors, comment on fait Alors, vous n'êtes pas d'accord alors, vous êtes pour le déficit, vous. Hein vous c'est êtes... incroyable. On, on en est là. C'est-à-dire que les, les infos sont complètement truquées. Oui, on a vraiment un gros, gros problème, gros problème. avec les médias. Et c'est un énorme problème démocratique, ça, c'est sûr. Voilà. 87% des dividendes sont détenus par 1% des Français. Bon, et donc, alors les 500 premières fortunes de France, excusez du peu quand même, euh, faisaient. Euh, L'argent qu'ils avaient, ça représentait euh, 5% du PIB il y a 25 ans. Ça ne représentait, représentait 20% du PIB quand Macron est arrivé. Ça représente 45% du PIB maintenant. Tu te rends compte? C'est fou quoi. Les, les mecs, ils sont passés de 5% à 45% de... Il y a une immoralité de... terrible, ouais, je exact. trouve, de... De, — de, de, de faire que ces gens ne participent pas à l'effort collectif, quoi. Ça, c'est pas possible. — Oui, mais, mais tu, tu, tu dis tout de travers, parce qu'en fait, <laughs> c'est nous qui participons pas. — C'est la théorie du ruissellement. On, — on voudrait, on voudrait avoir des urgences. Non mais franchement, quand même... — c'est hein, une école. — Voilà. Ou des écoles. Ouais. On, on, voudrait, on, on, on voudrait même pas payer la taxe lapin qu'ils sont en train de nous mettre, là. Tu sais, la, la taxe lapin, là. Tu, tu vois ce que c'est, là Oh ah ben la taxe lapin c'est un truc complètement bidon hein, là ils, ouais. la taxe lapin ils nous prennent pour des pigeons hein. <laughs> c'est hallucinant quoi et puis et puis et bon. puis donc bon ben bah, voilà il faut qu'on participe il faut, faut qu'on fasse un effort le chômeur par exemple faut il faut qu'il fasse des efforts hein faut faut faire des efforts voilà voilà chercher l'erreur alors tu, tu avais un sujet sur l'éducation nationale, parce que, euh, entre autres, euh, eh ben, il voilà, y, y a des gens, des, y a, des sous a, du privé un... qui. qui portent, oui, oui. Il hein. <coughs> y a eu un rapport qui a été euh, présenté euh, récemment, là, par deux députés, euh, Christophe Weisberg de, du groupe Renaissance et Paul Vannier, qui est LFI. Donc le l'objectif du rapport c'était de c'était de regarder euh, quel quel est la, le, le budget en fait qui est alloué euh, aux écoles privées mais tu sais Michel je crois que je vais pas avoir le temps de, si, si, de développer vas -y, vas -y. Et, quel est le budget qui est euh, alloué par l'État euh, aux écoles privées euh, et puis comment c'est contrôlé tout ça et euh, et puis euh, bon, alors. On est d'accord, on a été obligé d'écourter. Oui. Tu voulais dire un petit mot sur les élections Allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est le 9 juin, les élections. Vous avez jusqu'au 1er mars ou au 3 mars. Alors, il y en a une, une date limite qui est en ligne et l'autre en mairie. Je ne sais plus comment ça marche. Tu n'auras pas le temps de traiter le sujet sur la société la la sociale. C'était hein, puisque... passionnant, merci ouais. euh, Alain. Euh, C'était chouette. Dernière chose, on a un tout petit mot sur vaisseau. Euh, demain à 18h45, il y a la, la réunion du Conseil communautaire à vaisseau à 18h45. Hein, demain, mardi 9 euh, à, avril. Et euh, le sujet, en, entre autres, il va y avoir quelque chose, un temps sur... La vallée de la Bésorgue. Et là, il y a un vrai sujet parce qu'ils sont en train de faire un petit peu n'importe quoi. Pareil, il y a des gros sous, des gens qui ont beaucoup de pognon, qui qui investissent et qui veulent. Hein non, non, ah, là, c'est pas. Non, la vallée de la Bésorgue, c'est du canyoning. Tu sais, il oui. y, y a un mec qui fait plein de sous là, aux dépens de tout le monde. D'accord. Voilà. Bon, allez, ciao, bon courage. À bientôt. Ciao. Au revoir. Je suis prêt à revenir pour Orano parce qu'on a parlé des DF, mais il y a Orano aussi à Tricastin. <laughs>